Bah là, on va prendre le car pour Paris, pour voir la finale de la Coupe de France qui oppose le BBH à Toulon. Bah, on espère bien gagner cette finale parce que c'est un trophée important pour Brest. On gagne pas souvent beaucoup de trophées dans le sport à Brest, donc c'est intéressant de pouvoir gagner la Coupe de France. Bah, c'est impressionnant de voir effectivement la ferveur qu'il y a pour le BBH, même toute la saison pendant la salle. On a eu des matchs un peu en dents de scie cette année, mais bon, je pense que la ferveur qu'il y a eu contre Metz était très importante et je pense que ça fait un élan aussi pour aller vers la finale. S'arrêter sur l'aire de Mondevert, histoire de prendre une petite collation. À défaut de Ricard et de pâté et neuf, on a pris café, pain au chocolat. On doit être 1500 à partir, une bonne dizaine de cars. Moi, je supporte tout le temps, je supporte, quel que soit là où elles vont, on sera là et on restera là. Maintenant, c'est important pour elles de conforter encore l'équipe et voir éventuellement les championnats d'Europe l'année prochaine. Ah, ça fait chaud au cœur, la Bretagne reste soudée et la Bretagne se déplace. Hein ? Le mur blanc est encore à Bercy cette année. Noir et blanc, blanc et noir, ce sont les couleurs qu'on a dans le cœur. Allez, 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 allez Brest, allez Brest, allez Brest, allez, allez. C'est génial, on remarque que les Bretons sont vraiment très soudés, ils aiment bien faire la fête et puis on va retrouver d'autres Bretons à Paris forcément quoi. Je me déplace toujours avec mon costume de super Breton, qui fait sensation, évidemment. Tous les supporters sont derrière moi et derrière elle. Et vive les rebelles. Et vive les Bretons. Du handball quand même, il faut le dire. Oui, oui. Une droitière qui joue à droite, ce qui est assez rare parce que c'est une joueuse qui est complète, qui est très très puissante. Regardez, sa capacité. La voilà. Elle a tout dit. Oh, écoutez cette ambiance. Il y a le virage derrière, le virage breton qui pousse, c'est incroyable. Écoutez.
chanson pour Cléopâtre Darleux. Conseil un jour, si vous aimez le hand et le hand féminin, allez un jour dans la salle de Brest voir un match. C'est une ambiance démentielle. Regardez derrière, ça s'agite dans le virage, c'est de la folie. Dans le virage de Brest, ça pousse. Oh là 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 là, elles vont tout droit, vers un titre en Coupe de France, elles le savent, et le public aussi le sait. C'est parti pour l'explosion de joie, maintenant. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! Brest remporte la Coupe de France 2018, la deuxième Coupe de France en 3 ans! Cette année, on l'a reproduit. C'est super, c'est génial. Vive le BBH. On est champion, on a perdu notre voix. On n'a plus de voix, on a gagné. Il y avait une superbe ambiance, 1500 personnes, 1500 bretons, donc excellente ambiance. On est très fiers d'être brestoise. Ouais, voilà. Très, c'est très, vrai très qu'aujourd'hui, fiers. On est fiers. Et vive le BBH. Que du bonheur. Ouais. Ce soir, que du bonheur. Ouais, vive le BBH. Ouais. On a fait un très beau match. Allez, le stade brestois. Ouais. Alors ce soir, au programme, bon, on va aller fêter ça, évidemment, on va aller fêter la victoire des BBH, Coupe de France, finale de Coupe de France. On ramène la Coupe à Brest, donc on va fêter ça. Et on va fêter ça où ? Sur une péniche. Sur une péniche. Merci à tous les supporters qui étaient présents. Ils se sont déplacés en masse et c'était un régal de partager cette victoire avec eux. On a passé un moment extraordinaire et encore merci à tous ceux qui sont venus, même tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont regardé ça sur internet, je pense. Donc merci à tous et aussi rendez-vous quand même au 16 mai pour les demi-finales retour. Voilà. Take a long holiday. Get your chair and play. Dance, dance. If you give me.